Bonjour tout le monde. We've had a productive couple of days in New York, talking with leaders in government, philanthropy, culture, and more about the issues that matter to Canada and to the world. Yesterday I was at the UN where, alongside Prime Minister Mia Motley of Barbados, I co-chaired a conversation with the Sustainable Development Goals advocates. We talked about how we can amp up our efforts in a world where so much is going on. I also spoke at Global Citizen Now alongside Canada's Ambassador for Women, Peace and Security, Jacqueline O'Neill. We discussed gender equality, what Canada is doing to amplify women's voices around the world, including in conflict zones, and what we are doing to protect women's rights. This morning, I spoke at the Council on Foreign Relations about how Canada and the U.S. can work together to strengthen liberal democracy at home and around the world, make sure that our decision-making reflects our values at every level, and build economies that work for everyone. J'ai passé deux jours productifs ici à New York à discuter avec des chefs de file des milieux gouvernementaux, philanthropiques, culturels et autres au sujet de l'enjeu important pour le Canada et le monde. Hier, j'étais aux Nations Unies où, avec la Première ministre Mia Motley de la Barbade, j'ai co-présidé une conversation avec les défenseurs des objectifs de développement durable. J'ai également pris la parole au sommet Global Citizen Now avec l'ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, Jacqueline O'Neill. Nous avons parlé d'égalité des sexes, des initiatives du Canada pour amplifier les voix des femmes dans le monde, y compris dans les zones de conflit, et de ce que nous faisons pour protéger les droits des femmes. Ce matin, j'ai prononcé une allocution devant le Council on Foreign Relations portant sur les façons de permettre au Canada et aux États-Unis de travailler ensemble en vue de renforcer la démocratie libérale à l'échelle nationale et dans le monde, et les façons de veiller à ce que les décisions que nous prenons correspondent à nos valeurs à tous les niveaux, et les façons de bâtir des économies centrées sur le bien-être de tous.